Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la méthodologie de la problématique et du plan pour la synthèse de documents. Alors, pour la synthèse, déjà, il faut que vous ayez vu la vidéo sur la méthodologie globale de la synthèse. Ensuite, si je reprends mes explications, vous avez trouvé vos sous-parties. D'accord? Vous avez trouvé vos sous-parties et votre problème, ce sera d'accorder votre problématique avec votre plan. Alors, premier cas de figure en fait. Dans le premier cas de figure, votre corpus va aborder des points de vue différents. Donc, je répète, si votre corpus aborde des points de vue différents, eh bien, vous allez avoir un sujet qui abordera des opinions différentes. Pour cela, vous allez choisir une problématique. Une problématique qui posera une alternative. Donc l'alternative, c'est ceci ou cela. Par exemple, l'art est-il une marchandise comme une autre ou bien a-t-il une dimension supérieure? Donc là, vous avez bien la question, l'art est-il une marchandise comme une autre ou bien ou a-t-il une dimension supérieure? On a l'alternative. Une fois que vous avez ce type de problématique, il vous faut le plan qui correspond. Alors, le plan qui correspond, ce sera un plan dialectique. Donc, un plan dialectique. Le plan dialectique, c'est simple. Vous devez le faire en trois parties. Il va faire certes, ensuite en grand 2, mais, et en grand 3, donc. Donc, que l'on peut aussi formuler autrement avec d'ailleurs. C'est pourquoi. Alors, ça donnerait pour la question « L'art est-il une marchandise comme une autre ?» ou bien « A-t-il une dimension supérieure ?» Ça donnerait « Certes, l'art peut être considéré comme une marchandise. » Je répète « Certes, l'art peut-il être considéré comme une marchandise ?» Mais il reste véritablement un mythe qui nous fascine. Donc, ou c'est pourquoi les marchandises ressemblent de plus en plus à des œuvres d'art. Voilà la solution si votre corpus aborde des points de vue différents. On peut adapter bien sûr ce plan avec plus de souplesse, mais ça, je le verrai lorsque l'on travaillera l'écriture personnelle dans une autre vidéo. Alors maintenant, je vais aborder le deuxième cas de figure. Un cas de figure qui est plus rare dans notre épreuve de CGE. Donc, si votre corpus aborde un problème, et je dis bien et j'insiste là-dessus, s'il aborde un problème. Donc, c'est assez rare, on trouve plutôt ce genre de sujet dans des sujets d'histoire géo. Mais on peut avoir quelque chose qui y ressemble en CGE. Par exemple, le thème de la surconsommation dans notre société. À ce moment-là, vous choisirez une problématique comme celle-ci. Est-il raisonnable de penser que notre surconsommation va diminuer? Je répète, est-il raisonnable de penser que notre surconsommation va diminuer? Le plan qui correspondra à ce type de question qui soulève un problème sera un plan analytique. Donc un plan analytique. Donc le plan analytique, il pourra être fait de deux manières différentes, mais qui se complètent. Qui correspondent un petit peu à la même chose, c'est-à-dire, un, les faits, pour
les aspects si vous préférez. Grand 2, les causes. Grand 3, les conséquences. Ou alors, les faits. Les causes et les conséquences dans la même partie. Et en grand 3, les solutions. Voilà. Donc là, c'est un deuxième cas de figure uniquement si votre corpus soulève un problème. Alors maintenant, le troisième cas de figure. Si votre corpus analyse un sujet. D'accord ? Si votre corpus analyse un sujet sous différents aspects. À ce moment-là, vous devez choisir une problématique qui commencera par « en quoi ?»« Pourquoi ?» Je répète « en quoi ?»« Pourquoi ?» Exemple, « en quoi notre consommation définit-elle qui nous sommes ?» Donc, si vous avez ce type de sujet possible, c'est-à-dire qui analyse différents aspects d'un thème. Vous ferez donc un plan thématique. Pour répondre à ce type de question, il faudra faire un plan thématique. Et le plan thématique qui correspondrait à la question « En quoi notre consommation définit-elle qui nous sommes ?» Il serait que grand 1, notre consommation est le reflet de notre personnalité. Donc le reflet de notre personnalité. En grand 2, un autre thème, le reflet de notre culture et de notre éducation. Et en grand 3, de notre niveau social. Voilà, donc là, c'est si votre corpus, je le répète, analyse différents aspects d'un sujet. Alors, pour conclure, nous venons de voir comment choisir une problématique et un plan qui s'accordent avec le corpus de votre synthèse. Nous verrons demain la méthodologie de l'écriture personnelle et si possible, j'espère avoir le temps de vous faire l'analyse du corpus enfin seul. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon courage pour préparer votre partiel et je vous dis à demain.